Et salut à tous et bienvenue, je suis Linklagi pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve entouré de plein de cadavres, plein de voitures et d'un ninja Faret qui est au loin. Je sais que tu es là. Chut, je suis caché. Bon bah je te vois pas alors. On me voit pas, je suis caché. Tu feras gaffe, t'as un gros point bleu au-dessus de la tête. Oh non, je me suicide. Voilà. Bon. Eh bien, on se retrouve pour aller faire notre nid de rapace. Et j'ai été mauvaise langue, puisque ce nid de rapace est un tunnel. Donc, oui. comme je disais à Link, il faudra voir s'il n'y a pas d'autres explosifs là-dedans. Bah, carrément. Moi, je veux bien faire péter des trucs. Comme ça, je te laisserai l'infime honneur de faire péter ce tunnel. Ouh. Bon, je regarde en même temps, mais il n'y a aucun wagon qui est ouvert. Si, il y en a un là. Là-bas, il y a un rapace. Je pense que headshot, rapace... Oh putain. Je ne suis toujours pas là. Genre il t'a pas vu. Ah bah ça y est, là il m'a vu. Putain le gars quoi. Alors tu disais tu penses qu'un headshot... Ouais je me demandais, tu penses qu'un headshot genre sur rapace ça OS ou quoi? Oui. Ça marche. Bon, y'a rien dans ce wagon. Bah, c'est pas que ça soit, je sais pas, c'est que tu l'as eu dans l'épaule. Ah, je pensais que je restais là. Non, tu l'as eu dans l'épaule. On va toucher. Je l'ai vu passer, c'est là. En effet, là, c'est ça. Oh, c'est bon, c'est un plan, ça. Ouais, j'ai un plan, là. J'arrive. Le plan Supernova. Oh, joli. Dans la caisse. Le petit carton à côté de la caisse. Ah. Il va falloir regarder ce que c'est, ça. Supernova, ça me plaît bien, moi. Ouais, j'avoue, déjà, j'aime bien comment ça s'appelle. Ouais, bah attends, mets ton pause. On va voir. Attends, je suis en ouverture de... Voilà, c'est bon. Supernova. Hop là, supernova, électricité 2, impact 1. Bon. Ah. Wouchou ! Je me retourne en m'attendant à voir Link le Guise et je vois un rapace. Voilà qui est... Surtout, moi j'étais dans le wagon. J'ai compris. Bah à la base moi j'étais chaud, je suis parti à la... Non mais je sais pas, moi je vais aller à l'épée là. Mais on est déjà repéré. Oui. Alors une caisse de silas, mais pour l'instant on verra. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir? Oui, ce wagon, je suis sûr qu'on peut ouvrir. Osez vous approcher. Est-ce que de l'autre côté on peut l'ouvrir? Ah non, il a osé. Bon bah je continue. Il est temps. Ah non, il est sur le bas. Là je vais t'attendre, il y en a quand même beaucoup. Ah ouais, il y a un petit paquet. Et je crois que même là je vais sortir le fusil moi aussi. Bon bah. Le temps de recharger, de me soigner en même temps. Ah ouais, bah la même. Attends, je vois le dernier, je vais m'en occuper. Il est là. Est-ce qu'il n'y a pas des explosifs comme la dernière fois? Non. Allez, cours. Non, il n'y a pas d'explosifs. Bon, bah dans ce cas. Voilà. Nice.
Bon. Ah, je suis déçu, plein d'explosifs. Bon, il peut y en avoir tout le temps, tu me diras, mais... Ouais. Ou alors, il y en a et on les a pas vus. Ce qui est possible aussi. Ok, bon, bah... Celui-là aurait pu être difficile si on n'avait pas sorti le fusil, quand même. Tellement. Bah, le truc, en fait, le problème, c'est qu'il repop dans notre dos, quoi. Oui. Oui, non, mais d'un côté, tant mieux, ça rajoute de la difficulté. Ah oui, non, clairement, clairement. Il va me prendre la caisse d'ici là, ce qui est là. Ouais, j'ai pas pris, moi, j'ai... Enfin, j'ai eu la flemme. Donc là, si on calcule bien, il nous reste plus que un Hydra Pass. Oui. Et c'est fait. Et on a eu le gars qui nous a dit, oui, il paraît qu'il faut que tu ailles enquêter sur la maison de Attila. Apparemment, ce serait lui le troisième frère, blablabla, bla, bla, voilà. Voilà, c'est ça. Donc on va qu'on aille voir. Juste avant, on va s'arrêter, vu qu'on est dans la zone nord. Ah, là. C'est la zone avec une boîte mystère. Je crois que c'est la zone où on avait combattu un boss sur l'autoroute. Ah, yes. Donc on va s'en occuper. Et puis voilà. Ah, mais attends, tu sais, je suis en train de réaliser un truc. Quoi? Le fait qu'il n'y ait pas de rapace, est-ce que ça serait pas parce qu'on s'est occupé... Il y a une peinture là où je suis. Édition limitée. Ah, yes. Est-ce que ce serait pas parce qu'on s'est occupé de pas mal de nids de rapace et que du coup, il y en a de moins en moins? Ah, peut-être. Bon, là, je t'avoue que les caisses... parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il reste plus qu'un seul nid de rapaces et que donc potentiellement on peut trouver des rapaces que dans les environs du nid. C'est possible, ouais, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. Je vais y penser maintenant, mais enfin, ceci dit, si c'est ça, c'est quand même un peu craqué quoi. Ouais, j'avoue. S'il y a plus de rapaces la nuit, bon, enfin, on verra peut-être. Ouais, peut-être. Oui, on verra. Après, c'était juste, s'il faut, c'était juste un coup de chance. Hein. Oui, oui, absolument, absolument. Alors, fais voir, cette peinture édition limitée. Ouais, on voit ce qu'elle est. On a commencé à en avoir pas mal des peintures. Hein. Édition limitée. Ouais. Alors. Oh. Ah, c'est un rapace justement. C'est un rapace. Ouais. Où tu vois le rapace, toi? Ah oui. Ah oui, d'accord. Avec le reflet, je le voyais pas. Oh. 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 Je garde. Je garde. Allez. Je t'invite à aller au marqueur pour aller prendre la quête, la caisse. Bah j'arrive. Bon, je resterai me manger les photos. Bah attends, moi je me suis envolé. Maison isolée comme ça, c'est louche. Oui. Bonjour. Des potirons. Oh. De la halve. Ah non, de la baklava. Baklava. Peinture à l'étage. Ah. La peinture jelly. Alors jelly, voyons ça. On va aller voir. Pousser la voiture des arbustes, ils sont pas morts. Alors, Julie. Ouf, ah oui. Oh, je la garde. Oh, je la garde celle-là. Voyons voir. Oh, elle me plaît celle-là, je la garde. Julie. Oh. Regarde. Ah oui. Regarde. Oh, elle est classe. Elle est pas mal, hein. Ah, j'avoue, elle est vraiment sympa. Oh, je la garde celle-là, allez. Elle me plaît bien, plus que le rapace. De la peinture de la mer, de façon, très trop clair. Ouais, elle est très claire. Oh, alors tu feras attention, il y a des arbres dans la forêt. Sans la cul. Stop. Alors maintenant, je vérifie quand il y a des bottes de foin pour qu'ils nous permettent de descendre des citernes. Je préfère monter voir. Oui. Alors, nous avons le droit à un poids lourd, une matraque, un esquiveur. Non, rien. Par contre, il n'y avait pas une tyrolienne là de là-bas. Oh, oh, ça m'intéresse. Ah, ça m'intéresse. On va aller voir, tiens. Oui, on papillonne. Désolé. Désolé, mais je vais aller voir le poteau électrique qui est pas loin, parce qu'apparemment il est, une tyrolienne relie la citerne et le poteau électrique. Donc j'en déduis qu'il doit y avoir, mais là où tu es en fait. Ouais, c'est... Donc j'en déduis qu'il y a quelque chose là-haut. On va aller voir ça. Ah oui, je vois, il y a une plateforme où on peut... Ouais, je la vois. On peut monter. Alors par contre... Par contre le grappin il veut pas, hein. Non, à la main.
À l'ancienne. Oui, à l'ancienne, mais... Ah, il fait tomber. Tac. What? Putain, mais ce fils est con. Mais non, mais enfin, il monte et il tombe de l'autre côté alors que j'ai pas avancé, quoi. Oh, ça me gave. Ah, je te jure. Non, mais... Oh, genre. Tiens, mange mon genou. Oh là là, ça me gave quand ça fait ça. Le truc, il escalade et après, il tombe de l'autre côté, quoi. Bah ouais, c'est très très con. Ouais, ouais, c'est qu'à le dire. Hein. C'est bizarre, ça marche à certains endroits, le grappin et pas à d'autres. C'est très bizarre. Bon. Alors, saute. Ouais. Alors saute, mais dans l'autre sens. Ah, attends, en fait... Tac. D'accord, le grappin marche que sur ce type de truc. En fait, il ne marche que sur les rebords à furet. Jaune et noir. Ah, d'accord. Ok. Ah bah non, il marche que sur le premier rebord jaune et noir. Ok. Ah. Bon, bah, bref, il marche quand il veut, quoi. Ouais, c'est ça. Tac. Voilà. Tu évites de tomber, voilà. Là. Là-bas. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de l'escalade comme ça. Bah, tu pars avec tout le temps au grappin maintenant, alors. C'est pas mal du coup. Ouais. Ah, attends. Non, non. Alors, y'a quoi là, des sacs? Y'a rien au niveau des sacs, t'as vérifié? Pas du tout. D'accord. Alors, de la gaz et un rouleau adhésif. Et là-bas, a priori rien. De l'autre côté, a priori rien. Et là. En haut, bof. Ah, il doit y avoir quelque chose, il y a une tyrolienne. Bah, je vois pas de drapeau. Il y a un peu de stuff, mais bon, rien de. Rien d'exceptionnel, quoi. Ouais. Ah, si, il y a un drapeau. Ouais, en effet. Pas tomber. Pas pousser, pas tomber. Pas pousser, Link. Non. Voilà. Niveau d'agilité augmenté. Cool. Je crois que je suis enfin au niveau max en agilité. Bon bah. What? Alors, devenez le meilleur freerunner de la zone, courez, sauter, escalader sans aucune fatigue. Voilà, je suis niveau max, ça y est. Qu'est-ce non, mais sans déconner. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai sauté sur le truc bleu. Comme ça? Link, est-ce que c'est le moment de faire le fainéant? Hein? Il avait peut-être raison finalement, notre ami au début, hein. Je suis pas un fainéant. Ça faisait longtemps ça. Allez, repartons. Ouais, hein. Que j'aille laver la front. De cette. Bleu qui m'a même pas. Brûle là, Link, brûle là. Oh, je joue. J'ai un lance-flamme en plus. Il va encore faire nuit. Ouais. Il y a une tente de ici, non pas. Ouais. Bah surtout quand on vadrouille entre deux épisodes en deux jours. Aïe. Ouais, aïe. Puis il continue à me faire avancer en plus, tu sais. Ah non, j'essaie de reculer depuis tout à l'heure en fait. Hey, j'ai récupéré la route. Récupérer le mur. Et il va falloir que je répare un petit peu la voiture. Je suis coincé. Zombie. Ah, je suis coincé. Allez. 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 Genre coincé un peu comme toi sur le. Sur le. Le. Comment ça s'appelle? Le barrage. Ah, ouais. Je vois bien du coup. Oh, ils sont pleins là. Attendez. Voilà, là peut-être ça devrait se dégager. Super zombie. Bon bah moi je suis coincé. Ah bon bah je viens te chercher. Allez, recule. Allez. Recule.
Allez, j'arrive. Ouais, bah fonce, si tu veux me foncer dedans pour me décoincer, je veux bien. T'es où? Ah, t'es là. Je suis comme toi dans le barrage, je suis boisé. C'est tout. Aïe. Ah, pas encore, hein? C'est décalé sur le côté. Ouais. C'est qu'il y a un arbre dans ce sens-là. Aïe. Allez, allez. J'ai un peu bougé. Bon, tu sais quoi? Je vais y aller avec toi. Non, non, mais laisse tomber, je vais y aller avec toi. Elle est complètement buggée là. Bon bah. Allez! Je pense que c'est la première fois que tu plantes ta voiture comme ça, là. Oui. C'est la première fois que je plante ma voiture comme ça. Vas-y, je regarde. Non, on peut y aller, c'est bon. Ah, je croyais que tu voulais faire ton... Non, mais je croyais que tu voulais faire ton super zombie. Ah non, mais j'avais déjà fait un. Ah. Je vais en faire un peu aussi, alors. Y'a pas de raison. Bon. C'est toujours les mêmes qui s'amusent. Bon, on est bien, d'accord. Yahoo! Ah, ce truc est génial. Ouais, j'avoue. Bon, allez, allons-y. Oh, ce contre-jour, c'est beau, hein, on y voit rien. Ah, c'est clair. Mais c'est la classe. Mais on y voit rien. Alors, la caisse. Oula. Alors, le code est 42. Oh, une peinture. Ouh. Peinture USS et une tenue puzzle. Tenue puzzle. Ok. Du coup, alors attends, si je regarde la carte, on n'a pas découvert les autres zones, hein, apparemment. Ah, quoique, attends, si, j'ai un marqueur en bas. C'est quoi? Boîte mystère, si, on en a une en bas. Oh, où ça? Là où j'ai mis le marqueur. Ah oui, celle, oui, celle qui est au milieu de l'eau. Oui, 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 oui. Oui. Bah tiens, alors montre-nous cette nouvelle peinture, Link. Laissez la voiture, vous, y'a personne dedans. J'arrive. Alors, la peinture... USS Techland. Oh. Pas super convaincu, perso. Ah, oh. Qu'est-ce qui est marqué derrière? Prosper. Ouais, non, je suis pas... Elle est jolie, mais sans plus. Ouais, moi je suis pas. Ok, bon, aïe. Mieux. Oh, oui, vas-y. C'est parti. Donc, comme tu veux, tu suis le marqueur de quête ou le marqueur de coffre. Bon, on va tenter de suivre le marqueur bleu. Allez. C'est quand même con qu'on croise un pipeline. Mais je saurais. Chou. Ah, je pense que ça c'est quand même un des trucs les plus magnifiques que j'ai pu voir. Surtout que moi j'avais pas compris au début. Ah oui, vraiment. Le pont. Ouais. Par là. Ouais, t'es sur la bonne route. Ah, tu fais ton petit saut. Ouais. Ouais, vu comme ça, c'est mieux que vu en étant conducteur. What? Ouh. Alors la tienne elle a pas la fonction retournement. Non. C'est bon. Faudra que tu l'installes. Ah bah il faudrait clairement.
Mais du coup, ouais, t'as pas failli bouffer une branche, toi? Non. Non, non, non. Je l'avais anticipé, je m'étais protégé. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. Ouais, pour demi-tour, là, c'est... Non, en bas, Non, en bas, tu peux passer. Ah, tu passes en bas? Ouais. Yolo, what? Regarde, tu es pas le seul à avoir fait ça, Link. Ah, attends. Ah, excuse-moi, mais là, les deux au même endroit. Ah, les deux au même endroit, de la même façon. C'est beau. Voilà, il faudra que tu trouves un passage pour passer la rivière. C'est pas mal. Gauche, 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 gauche. Ouais, ouais, ouais. Donc là. Ça, c'est le genre de chemin que je prends, moi. Moi aussi, mais. Bon, on y voit rien, hein. Ouais, alors la gauche, ça pue comme. C'est mieux, oui. Oui, bon. Ouais, ton chemin avec gauche, il pue. Mieux, oui. J'ai fait des trous dans la bécane. Attends, je vais bouffer les armes, attention. On va peut-être s'y voir plus clair là, si je bois. Oh, je peux pas boire ma truc de vision nocturne. Bouh. Bah, vu comment je compte. Tu veux ouvrir. Vas-y, je t'en prie. Ouvre donc. Un plan. Timmy's Bullet Grenade. Alors, la grenade à Timmy, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exploser, elle va faire Timmy. Alors, ça fait quoi? Ben, on va voir ça. Enfin, ça demande quoi déjà? Ouais. Alors, elle est pas légendaire. Je peux pas en faire. Elle fait de la musique. Alors, moi, je peux en faire 8. Allez, c'est parti. Tic, voilà. Bon, alors, vraiment, falloir que je refasse. L'icône est une note de musique, hein, donc. Oui. Bon, bah, allez, trouvons des zombies. Et bah, écoute, c'est parti. Attends, je vais enlever le marqueur. Voilà. C'est pas que j'y vois rien, mais j'y vois. Alors, si vous voyez du noir, c'est normal, les gens, je vous assure, je vois pas plus, hein. Mis à part ce qui est mon inventaire, mon interface, je ne vois rien, quoi. Et les phares de la voiture, éventuellement. Oui, ça va. Mais sinon, je ne vois rien. Ah, merci. Allez, trouvons des zombies. Des donjons. Mais il n'y avait pas un champ pas loin? Si, j'étais là, mais normalement, il y a une. Il n'y a pas de rapace, hein, c'est normal. C'est vrai. Il y en a qui ont passé. Donc peut-être que la théorie du. Non, pas par là. Peut-être ouais, non, la théorie d'une hydra passe, c'est vrai, peut-être. On aurait peut-être pas dû tuer les faire l'hydra passe. J'avoue. Ah, mais. Ouais, une route. Ouais, alors si tu vois un tas de zombies, arrête-toi. Ouais. Allez, c'est par là. À gauche. Allons-y. Alors. Première chose, tu peux me lancer des pétards, s'il te plaît?
Je crois que j'en ai plus. Link le guise. Attends, inventaire. Non, j'en ai pas. Mais en vrai, si je veux faire du bruit, moi je peux. Ah, c'est bon, c'est bon. Attention. Timmy. Youhou. Bon, ça les tue, ouais, ça les tue pas, mais c'est rigolo. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Timmy. Ah, nice. Le combo a marché. Oui. Ok, ah, c'est... bah c'est rigolo. Par contre, avec l'anneau de musique, je m'attendais à une musique ou un truc, mais... Bah ouais, j'avoue, mais c'est pas grave, hein. Un petit son à la con, comme ça. Mais... Allez. Par là. Je vais te dire ça. Oui, c'est par là. Tu suis la route. Après, tu prends la grande route et après, tu prendras sur ta droite. Ok. C'est-à-dire que là, à droite. Première à droite. Et tu suis la route. Allez, on y va comme ça. T'éclaires. Bah. Oh putain, je passe. Oh putain. Ouf. Je descends, hein, tu m'excuses, mais... Ah, je descends aussi, hein, je te rassure. Ouch. Ah, mais c'est la... On avait été ici, en plus. Ouch. On avait déjà été... Veut... On avait déjà été ici. Oui, je me dis, tiens, ça fait mal quand même. Je me dis, soit déjà allé ou pas. Alors, une masse exceptionnelle et une nuage de pompiers. Okay. Alors, on y avait déjà été ici. Ouais, on est déjà passé. Du coup, deux jours, on y verrait quand même plus clair. Nettoyer le secteur, rétablir le courant et sécuriser l'entrée. Ah. Alors là, il y a un générateur. Est-ce que à tout hasard. Les effets de lumière sont quand même vraiment excellents. Ouais. Trouver l'entrée. Ah bah attends, il y a marqué trouver. Je comprends pas. On nous a dit de sécuriser l'entrée, mais il y a marqué trouver l'entrée de la villa. Est-ce que. Ah, à moins que ce soit. Ah, ce serait plus loin. Il y a l'air d'avoir un autre bâtiment. Oui, mais comme il y a marqué trouver l'entrée de la villa dès que je suis rentré là. Je suis en train de me demander si. Des briques. Bombe, j'ai une brique à la main, Link, si tu veux. Oui, oui, je sais. Non, je en fait. Amusé avec des parfums. En fait, je me demande si c'est pas une zone sécurisée juste avant l'objectif. Ah, peut-être. Bon, là j'ai une porte, je vais pas l'ouvrir de suite. Enfin, le porte. Porte biche, rouge ici. Alors là, il faut des fusibles, mais je ne peux pas le faire. En fait, il faut suivre le fil rouge. Là, il y a des fusibles en haut de la citerne. Ok, bon, j'ai deux portes. Ouais. J'ai pas testé. Oh, un gros trou. Attends, moi je suis le fil rouge là. Tac. Laisse-moi deviner, ça va être tout fermé. Tac. Ça, ensuite, il rentre là. Maintenant, il part du. Ouais, ça va peut-être rien avoir en fait. Ah, le jour se lève, tant mieux. Suivre ce qu'il fait là. Y'a quelqu'un ? Il peut même pas sonner à la porte, c'est nul. Là, il rentre là, mais. On peut pas l'activer. Alors, je me demande si c'était pas un bug, alors. C'est bizarre. Bon, bah, du coup, toutes les portes sont fermées. Toutes les portes sont fermées ? Bon, bah, alors, c'est qu'il faut vraiment. Ouais. Mais je pense que j'ai un chemin. Alors, j'arrive, écoute. Puisque. Bah, non, nettoyer le secteur, rétablir le courant, sécuriser l'entrée. Bon, je viens. Moi j'ai juste trouvé l'entrée de la ville. Oui, mais comme ils disent de rétablir le courant et que j'ai vu un truc avec des fusibles, un générateur, tout ça, mais je peux pas y toucher. D'accord. Donc c'est ça qui est bizarre en fait. Donc là tout est fermé, si jamais. Ok. Et. Là. Ouais, probablement, ouais.
Je suis pas tombé. Bah dis donc. Ah, je suis tombé. Allez, allons-y. Oh, ça va. Oh, mais j'ai des trucs improbables. La mer. Je vais te récupérer mon épée, moi, tiens. Oui. C'est vraiment super joli ce dessin, je trouve vraiment très très classe. Ouais. Alors, une échelle. Tic 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 tic. Trouver l'entrée de la villa, c'est fait. Ouais, mais on n'a pas, remis le courant, hein. Non, mais on doit pouvoir le faire de l'intérieur, je pense. Tu crois? On va voir. Bah, tout autour de la maison, déjà, il n'y avait rien à l'extérieur. Ouais, non, mais moi j'ai trouvé des trucs, mais je pouvais pas interagir avec. D'accord. Alors, peut-être qu'il faut d'abord faire un truc dans la maison. Ah, bah tiens, la porte rouge, c'est pas celle dont tu parlais. Rouge. Non, c'est pas ça. Alors, il faut monter, donc Attila doit être en haut. Du coup, on va d'abord fouiller. En bas, y'a rien. What? Recule! D'accord. Ah là, tu peux avancer. Allez, pousse! Pousse sur tes petits bras! Voilà. Oh, le piège, quoi. Alors, un masque rituel sur le bureau. Ouais. Une radio. Ouais, et une note sur les enfants du soleil, la note numéro 1. Mm-hmm. Et voilà. Ok, donc ça, c'était un petit secret. Ok. Une porte rouge ouverte. Ah! C'est pour sortir, là? Je l'ai même pas vu, la porte rouge, je l'ai vu. Ah ok, c'est celle qu'il y avait de l'autre côté en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, mais on n'est pas plus avancé, on peut pas monter là. Je suis dans la cuisine. Ah putain, j'avais pas vu les escaliers. Oh là là. Il y a une note sur la table, exactement. Du soleil numéro 2. Putain, j'avais pas vu les escaliers. Le boulet, quoi. Alors ça doit être la porte d'entrée. Il y a une note là, la fonction de la mer. Hein. Dans le petit vestibule ici. Yes. Là. Là. Dans les livres. La fonction de la mer 2. La porte rouge. Je pense que c'est celle qui mène dehors, celle-là. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, là, on a quoi? Là, ça va être une zone sécurisée, je pense, puisqu'il y a. Oui, très probablement. Ouais, 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 il y a un truc. Ah, bah oui, il y a les sacs et tout. Ok. Oh, pas qui porte la feuille. Là, y a rien. Bonjour. Ah. Vous venez pour me tuer? Très bien. Allez-y. Non, non, non. Attendez. De rien. Au revoir. Au revoir. Vous m'avez pas vu. Alors, vous m'avez pas vu, monsieur. Bon, bah y a rien là. Ah, masque rituel dans la chambre où je suis. Ah. Sur le mur en entrant. Sur le mur en entrant. Ouais. Bien vu. Et voilà. Tu vois, ils remettent nettoyer le secteur, établir le courant, machin. Bah, moi non. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est bizarre. Bon. Bon, ok. Bah, écoute, allons voir Attila. Et bah, allons-y. Là! Une note! Le dieu du soleil. Et monsieur, vous êtes le numéro 1? Pardon. Vous venez pour me tuer? Très bien, allez-y. Je m'appelle Kyle Crane. La mère s'inquiète pour vous, Attila. Elle m'a envoyé vérifier que vous alliez bien. Non, je ne vais pas bien. Vous pouvez lui dire qu'il n'y aura pas de livre. C'est comme ça. Je ne suis qu'un vieil homme mourant. Ah bah non, Indiana Jones, on l'a trouvé, nous. Ouais. Mourant ? Mais vous avez demandé à la mère de vous aider ? Elle n'a pas de remède contre le cancer, hélas. Je ne peux plus travailler sur le terrain. Le problème, comme dirait Hamlet, c'est que tout part en couille. Ouais. Asseyez-vous. Monsieur Crane, prenons un verre. Alors écoutez, si c'est le travail de terrain qui vous gêne, je peux sortir à votre place. Je sais pas sur quoi vous travaillez, mais la mère veut vraiment que vous terminiez. Vous m'apporterez tout ce qu'il me faut? Bien sûr, faites une liste. Ce serait déjà très utile de me remettre l'électricité. Ah voilà, on pourra le faire maintenant. De nombreuses nuits blanches m'attendent. Oh, je vais m'occuper du courant. Vous vous chargez du café. Pour une fois qu'il dit un truc intelligent, Crane. J'avoue, je suis pas habitué. Allez, allons remettre le courant. Ah bah du coup, ça doit être le générateur et les fusibles que j'ai vus dehors.
Oui, très probablement. Elle est où la sortie? Par contre, la maison, super classe, hein. Ouais, la maison est sympa. Bon, je vais aller remettre le courant. Parce que si c'est ce que j'ai vu, je sais où c'est. Ah oh bah, je te suis, hein. Si je trouve comment on sort, c'est j'ai juste fait le tour de la maison, hein. Réparer les câbles. Okay. Alors, oui, donc c'est ça, ouais, c'est ouais, le câble rouge qui fonctionne. C'est ce que j'avais vu. Alors le fusible il est là-haut. Il est là. Mais je ne peux pas encore. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord. Hop. Mettre le courant peut-être ici d'abord. Non. Alors il doit y avoir un endroit où le câble est cassé. Ouais, pour l'instant je suis la zone. Non mais il monte. Ah mais. Ah mais attends, il continue plus loin, j'avais pas vu. Non mais. Ouais. Tiens, bonjour. Ah on avait. Non, j'ai l'air pas du tout à monter. Ok, je pense que j'y suis. Allez, vas-y. Je peux rien faire. Alors, tu peux rien faire. Donc il doit y avoir un endroit où le câble est cassé. Ouais. Alors, le câble, est-ce qu'il est sur le toit ou pas? Ouais, il est sur le toit. Ouais, ouais, il est sur le toit. Ok, là, il va à l'intérieur. Alors, vas-y. Est-ce que tu es plus près que moi? Bah là, tout va bien. Alors, là. Tac, tac. Oh, mais dégagez! Alors, remarque, il faut nettoyer la zone. Nettoyer la zone. Là. Donc là ça continue. Tout va bien, là ça passe derrière. Là ça, tout va bien, tout va bien. Bah, tout va bien alors. Hein. T'es sérieux? Ah ouais. Bon. Allez, tic. Vas-y, mets du scotch. Ouais, voilà. Non? Quoi, voilà? Je vais aller voir si. Bah, là-haut, j'ai rien vu, mais vas-y. Si je peux activer le truc maintenant. Va voir, ouais. Non. Alors attends. Parce que là-haut. Tac, tac, tac. Tétata. Bah non, il est pas cassé là. Oh, il y a quelque chose qu'on a pas vu. Oui. Non, moi je peux pas activer de mon côté non plus. Alors, voyons. Y a quelque chose qu'on a pas vu. Tac, ça. Bah du coup, Alors là. Tac, tac, là. Haha, j'ai trouvé. Aha. Voilà. Dans la maison. Ouais, c'est bon. Ah tu, ouais, d'accord. Tu peux. Yes. Okay. Hop, bon, moi je remets les fusibles. Si j'arrive à remonter, je. J'y vais. Voilà, les fusibles, c'est bon. J'allume tout. Et je vais m'occuper d'allumer le générateur. C'est bon de ton côté? Ouais, c'est bon, c'est bon. J'arrive. Alors c'est bon. Allez, retournons voir Attila. Et comme c'est une zone sécurisée, maintenant plus de grappins. Ouais, c'est ce que je me disais. Trop bien! Est-ce que maintenant on peut ouvrir la porte? Oh, vas-y, on peut pas. Arnaque. On passe par derrière. Alors. Tac. C'est quoi? Parce que je pourrais éventuellement entre-ouvrir la porte. En fait, je peux pas. Écoute. On pose pas de questions. Y a une porte rouge, écoute. On remonte voir le monsieur. Par contre, au niveau des bougies, là-bas, part ça prend feu, t'as avec toutes ces bougies là. Non, apparemment, ça va. Le courant est rétabli, Attila. Et maintenant? Maintenant, au travail, monsieur Crane. Je cherche des traces de la prophétie sur le dieu du soleil dans les reliques de la culture locale. Je te moque de moi, là. Pour la mère, c'est apparemment une question de vie ou de mort. Et je ne vais pas lui demander pourquoi. Donc, il faut examiner trois monolithes anciens. Nous cherchons des caractéristiques précises. Vous devrez les examiner en personne et me les décrire.
Maintenant que le courant est revenu, nous allons pouvoir rester en contact. Mais faites vite, monsieur Cray. Je vous en prie, je ne suis pas éternel. Oui, tu crois qu'on a que ça à foutre d'aller examiner des monuments Attends. Est-ce que... Ah non. Non, je pensais que ça allait être un... C'est l'endroit où je me suis perdu en montagne après une escalade d'une demi-heure. Là. Ouais. Mais non. Bah, en fait, non, pas du tout. Alors, la tenue puzzle, elle est somme toute très classique, hein, en fait. Ah ouais? Ouais, bah tiens, je t'invite à regarder. Ah. Bah, t'as une pièce de puzzle sur le torse. Voilà, rien de... Ouais, c'est pas... Rien de fou, hein. Ah, t'en as une dans le dos aussi. Alors, je vais remettre ma tenue ninja. Comment on sort d'ici, par contre? Non, mais attends, moi je cherche ma tenue ninja maintenant, je sais plus où elle est. Alors là, tu me diras, avec tous les tenues de pays, vu que c'est la période de la Coupe du Monde, on pourrait supporter, hein, mais... Ah, ça c'est clair. Ok. Il faut aller où, du coup? Je sais pas regarder. Bah, aux trois coins de la map, ok. Hein, alors, on a le temps? Oui. Ok. Je pense qu'on peut s'en faire un et les deux autres dans le bain. Alors, allons-y. Dans le prochain épisode. Alors, 400, mais il y en a à 200 mètres. Limite, y aller à pied, quoi. Ah, oui, d'accord. Bon, bah... Link? Oui? Ah, mais t'es loin, toi, tu verras pas. Bon, bah, tant pis. Taïo! Ah oui, je viens de voir ce que tu fais. Louf! Bah, de toute façon, ça sert à rien d'y aller en voiture, il est au milieu de l'eau, donc... Ouais, c'est ce que je viens de voir, en fait. J'avais pas du tout regardé où est-ce qu'il était. Bon, bah, j'ai survécu, que ça passe. Ça passe! Bon, ça va. Allez. J'arrive! Ou alors, pour rester dans le thème... Pour ceux qui comprendront la référence... C'était la belle époque! Ah, ça! C'était pas mal! Bon, j'y arrive. Bon, c'est vrai, toujours hein. Sous l'océan. Sous l'océan, la vie est bien mieux que sur la terre, je vous le dis. Je te le dis, tu vois les sturgeons et la rue qui sont lancés dans le reggae. Allez. Allez. Comme des épaules sous l'océan. Bon, j'imagine qu'il va falloir monter sur le rocher. Ouais, il faudrait trouver un trou pour monter, mais ouais. Bon, pas par là. Ah, si, ça y est, c'est décidé. Alors. Hop là. Ah oui. Voilà, alors il y a un chemin. Il y a un chemin. Il y a un chemin. Non, j'y vais sans le grappin. Je suis sûr, il y a un chemin. Oui, il y a un chemin là. Yo! Grappin! Ah bah ça a pas marché. Ah bah bravo. Bah j'avais trouvé le chemin. Il y avait des plantes, mais le grappin a pas voulu. Bah attends, j'arrive. Oh, il y a des fleurs. Attention, il y a un rocher là où je suis sur un rocher. Je te l'ai dit que j'étais sur un rocher. Oui, mais j'avais déjà sauté. Pam pam padabam. Oh mais Oui. Appuyez sur X pour utiliser l'instinct de survie dans le véhicule, cela vous permet de mieux repérer les virulents et autres rapaces. Ah oh, tiens, on n'a jamais essayé ça. On peut le faire dans le véhicule. Apparemment. On est où? Oh non. Bon, tu veux pas qu'on les laisse et qu'on le reprenne dans le prochain épisode? Ouais, je pense qu'on peut faire ça. On va faire ça. Donc c'est sur cette magnifique victoire avec la fumée de l'encens de la mer que nous vous laissons. Et on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Salut tout le monde. Bye bye.